Yo les gars, avant de commencer la vidéo, donc je tenais juste à vous dire que c'est grâce à l'UOR qu'on peut créer cette map edit, voilà. Donc c'est moi, Poupi et l'UOR qui avons créé la map edit, voilà. Si vous voulez un deuxième Kayan Baker Tournament, mais un deuxième avec un cash prize large plus élevé, genre 80, j'irais entre 60 et 80 €. Et bien, il faudrait juste que vous vous abonnez à ma chaîne en activant la cloche et que vous vous abonnez à la chaîne de l'UOR avec la cloche des notifications. Voilà. Et après, ben je vous dis bonne chance pour le world record. Hey yo les potes, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les gars. Donc, je suis en compagnie de avec l'UOR. Yo, 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 yo. Voilà. Donc là vous voyez bien qu'on a créé une map edit. Donc vu que moi j'avais pas accessible au code créateur, bah c'est l'UVOR qui me l'a créé, voilà. Donc juste avant de commencer la vidéo aussi, si vous voulez une deuxième map edit, il faudra juste que vous abonnez à ma chaîne et celle de l'UVOR qui sera dans la description, voilà. Ça ils sont tous ici. Ouais, donc là on va... Attends, je me suis pas mis en mode spectateur. Vas-y, mets en spec. Donc voilà, donc là je suis en mode spectateur, donc on va vous montrer le parcours, les gars. Ouais. C'est bon? Ouais, vas-y. Je lance le chrono, quoi. Ouais, donc là faire des doubles edits, voilà. Ensuite, ici il faut initialiser. Voilà. Hop, ok. Après, pour modifier donc, et avancer. Voilà. Monter. Ouais, donc là voilà. Pour vous je pense que c'est facile hein. Ensuite ah, par contre faut modifier et faut passer dessus. Ouais, comme ça. Donc vous êtes obligé de passer par en dessous, donc si vous passez par au dessus bah, vous serez directement éliminé. Dire pas éliminé mais voilà, donc le chrono il comptera pas si vous avez fait le world record. Voilà, donc ici c'est des 90 degrés hein, donc voilà, voilà. Il y a juste à en faire 8 90 à l'infini. Prenez le point. Initialiser. Hop. Ensuite, vous êtes obligé. Alors, le maximum de bots touchés, c'est. Enfin, le minimum de bots touchés, c'est 3. Si on a un, par exemple. Loupé, genre c'est pas grave. Ouais, loupé, voilà, c'est pas grave. Et un seul joueur, voilà. Là. Ouais. Hop. Ici, il faut réinitialiser. Donc, ici, il y aura une descente. Voilà, une descente à faire. Voilà. Voilà. Hop. Là il y a juste deux murs. Voilà. Donc pareil, il faut modifier. Hop. Ensuite là. Il y a juste à monter hein. Ouais, juste à monter. Voilà. C'est pas très compliqué. Voilà, hop. Vous arrivez donc là. Ici c'est vraiment assez compliqué, donc là on modifie l'escalier. Double triple edit. On modifie l'escalier. Voilà. Ensuite là on fait une double edit, on défonce le bot. Voilà. Donc là vous êtes obligé de. Faut tout réinitialiser par contre. Ouais ouais, tout réinitialiser. Ouais, il faut tout. Si vous oubliez. Donc là genre ça va être des sortes de 90 degrés en montant, voilà. Donc vous êtes obligé de faire ça, sinon le chrono il comptera pas non plus. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, bah là c'est. Voilà, c'est basique. Ouais, et les extend. Ouais, donc là c'est pour moi, pour un joueur en manette, c'est assez chaud, mais après tac. Voilà, donc si vous faites une petite erreur, c'est pas très grave hein, donc faut juste pas oublier le sol qui est juste au-dessus. Voilà. Après il faut avancer tac, mais il fait comme ça. Voilà. Alors ici, il faut modifier la pyramide. Voilà, modifier la pyramide comme ça. Hop. C'était. Donc pour les joueurs manette c'est assez chaud mais voilà. Comme ça quoi. Faut juste pas rater hein. Hop. Ensuite là il y a une descente. Pas descente. Y a une descente à faire. Voilà. Bon ça va, c'est une petite descente hein, c'est pas. Hop. Voilà. Alors ici attends, là c'est compliqué. Là en bois il faut éditer une fois. Ouais. En pierre faut passer dessous. En dessous. En métal faut éditer deux fois. Deux fois. Et puis recommencer une fois. Voilà. Fois.
passe dessous. Donc alors en métal, il faut éditer deux fois, réinitialiser deux fois, si j'ai bien compris. Et en bois, il faut éditer une fois et réinitialiser une fois. Et en pierre, faut passer par en dessous. Voilà. En gros, donc ça, ça, ça. Voilà. Voilà, donc voici la map edit les gars, donc j'espère qu'elle sera pas trop compliquée pour vous. Donc si vous avez vu sur dans le titre, et ben il y a 50 euros de cash price à gagner, donc 25 euros pour les manettes et 25 euros pour les PC, donc manette, je dis Switch, Xbox et PS4. Voilà, donc voilà pour la personne qui aura fait le world record. Voilà, et il faut pas qu'ils oublient de poster le record avec le KD Tournament. Voilà, voilà. Avec le nom Tournament, voilà. Voilà, et je mettrai aussi le code dans la description et voilà. Ah ben bien sûr. Voilà. Donc j'espère que oui, je sais même plus parler. Voilà, donc j'espère que cette map edit vous aura plu. Si vous voulez une deuxième map edit, faut que vous abonnez à ma chaîne, vous activez la cloche et que vous abonnez à la chaîne de Luvor et vous activez la cloche de notification aussi, voilà. Et merci. Que vous likez la vidéo et je vous dis pour une prochaine vidéo.